Monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, la création d'une chaire de génétique et physiologie cellulaire répond, me semble-t-il, à la vocation du Collège de France depuis sa fondation de se saisir du savoir en évolution et de le transmettre au moment même où il s'élabore. Je souhaite dire ma reconnaissance à Jean-Pierre Changeux et Pierre Corvol, qui ont pensé que cet enseignement pourrait m'être confié. À vous, mes chers collègues, je veux exprimer ma gratitude pour l'honneur que vous me faites en m'accueillant parmi vous. Je remercie les membres de l'Académie des sciences qui ont appuyé votre choix. Mes remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui, dans la tradition de liberté de la recherche à l'Institut Pasteur, m'ont permis d'explorer un domaine nouveau, celui de la physiopathologie cellulaire et moléculaire des atteintes sensorielles et plus particulièrement de la surdité héréditaire. Avec Jean Weissenbach, j'ai eu le plaisir de vivre les premiers pas d'un cheminement vers la connaissance des gènes impliqués dans les maladies de l'homme. Je le remercie de ses encouragements et du soutien de sa chaleureuse amitié. L'intitulé de la chaire « Génétique et physiologie cellulaire » renvoie à Gregor Mendel, Claude Bernard, Theodor Schwann et Rudolf Virchow, ainsi qu'à une époque, le milieu du XIXe siècle. En 1865, Gregor Mendel communique à la Société des sciences naturelles de Brno les résultats de ses expériences sur la transmission de caractères observables dans la descendance d'hybrides végétaux. Il découvre que cette transmission obéit à un certain nombre de règles qu'il parvient à formaliser en loi probabiliste et confère ainsi à l'étude de l'hérédité son statut de science, la génétique. La même année, Claude Bernard, dans l'introduction à la médecine expérimentale, s'attache à caractériser la physiologie en tant qu'étude des fonctions du vivant et à la distinguer de la physico-chimie et de l'anatomie. Quelques années auparavant, Rudolf Virchow avait complété les découvertes de Matthias Schleiden et Theodor Schwann, démontrant la structure cellulaire de tous les organismes vivants par l'identification de l'origine des cellules. Omnicellula et cellula, toute cellule dérive d'une autre cellule. Virchow, qui se livre à une analyse morphologique et fonctionnelle des cellules et des tissus, normaux ou pathologiques, fonde conjointement, en 1855, la physiologie et la physiopathologie cellulaire. Les démarches scientifiques de Claude Bernard, Mendel, Schwann et Virchow se rejoignent dans une même reconnaissance de l'unité du vivant. Elles sont aussi marquées d'une même ambition, parvenir à une représentation théorique du savoir. D'emblée, Gregor Mendel généralise les conclusions de ses travaux et attribue aux facteurs d'hérédité, qui seront ultérieurement appelés gènes, une puissance explicative, je cite, de l'histoire de l'évolution des êtres organisés. De même, Claude Bernard voit dans la fonction qui sollicite l'activité de plusieurs organes un principe unificateur des êtres vivants. Theodor Schwann, de son côté, dira qu'il a conçu le principe de la structure cellulaire universelle du vivant avant d'en avoir éprouvé expérimentalement la généralité. Quant à Rudolf Virchow, il met un terme à l'hypothèse de l'origine exogène des cellules et rattache la formation de tout animal au développement d'une cellule unique,
l'œuf. La formulation par Charles Darwin de son hypothèse fondamentale sur l'origine des espèces en 1859 porte plus loin encore l'audace conceptuelle de la biologie du milieu de ce siècle. De ses observations, Darwin déduit la continuité du processus de spéciation chez les animaux. Ainsi, une singularité est reconnue à la matière vivante, elle évolue. L'œuvre de Louis Pasteur, contemporaine elle aussi, s'inscrit dans cette découverte du continuum du vivant. En 1864, lors d'une démonstration publique à la Sorbonne, Pasteur tranche la question de la génération spontanée des micro-organismes. Un milieu de culture, préalablement stérilisé, ne génère pas de bactéries. Les bactéries, elles aussi, proviennent d'autres bactéries. À cette idée fondatrice de l'unité du vivant s'en ajoute une autre. Toute tentative pour comprendre le fonctionnement et l'évolution des êtres vivants est vaine sans référence à l'étroite relation qui les unit à leur environnement. Pour Claude Bernard, la physiologie doit intégrer l'étude des propriétés d'adaptation qui permettent aux organismes de résister aux fluctuations du milieu extérieur. Pour en rendre compte, il avance le concept d'un milieu intérieur qui, lui, demeure stable, un concept que Walter Cannon traduira en 1929 par le terme « homéostasie ». Charles Darwin, quant à lui, inscrit l'adaptation à l'environnement dans l'évolution des êtres vivants. Cette adaptation évolutive est le résultat d'un processus de sélection dit naturel qui s'exerce sur les populations animales. Ce processus fixe les variations transmissibles qui apparaissent chez les individus lorsqu'elles leur confèrent un avantage reproductif. Nul doute que les propriétés d'adaptation physiologique des organismes au milieu extérieur ont été façonnées par l'adaptation évolutive des espèces à leur environnement. Mais les paléontologistes, et tout particulièrement ceux qui, à la fin des années 1960, fouillèrent les schistes de la passe de Burgess en Colombie-Britannique, ont découvert que l'évolution ne se résume pas à la genèse et à la sélection graduelle d'espèces dotées de nouvelles caractéristiques. En effet, à la fin du précambrien, s'est produite en quelques millions d'années une diversification explosive des métazoaires qui a créé quantité d'embranchements, dont la plupart des phylums actuels et bien d'autres qui ont disparu depuis. De surcroît, l'évolution est ponctuée de quelques grands séismes géologiques qui décidèrent de la survie ou de l'extinction massive d'espèces au cours des dernières 500 millions d'années. L'évolution est donc soumise aux contingences. Je viens d'évoquer les débuts de la physiologie cellulaire, de la génétique et de l'étude de l'évolution. Par la suite, les rapprochements entre ces champs disciplinaires seront plus ou moins aisés. Claude Bernard adopte immédiatement la théorie cellulaire et intègre la physiologie cellulaire à la physiologie. Pour rendre compte des propriétés de l'organisme, il faut, dit-il, connaître celles des cellules. En revanche, théorie génétique et théorie darwinienne peineront à s'imposer, plus leur point de convergence échappera durant des décennies. La loi établie par Mendel est contestée. En effet, les tentatives pour rendre compte de l'hérédité de caractère quantitatif, comme par exemple la taille des individus, par plusieurs facteurs mendéliens, sont infructueuses. La génétique ne sera unifiée qu'en 1918, lorsque Ronald Fisher parviendra à démontrer que l'hérédité de caractère quantitatif peut s'expliquer par la transmission de plusieurs gènes selon la loi mendélienne,
dès lors que l'on fait l'hypothèse que ces gènes ne contribuent pas de manière identique à la variance du trait. Quant à la théorie darwinienne de l'évolution, elle provoque, vous le savez, des controverses théologiques. Par ailleurs, elle appelle la preuve de l'existence de variations spontanées héréditaires qui se répandraient dans les espèces. Cette preuve sera longue à obtenir, car ceux qui la cherchent, les généticiens des populations, ne peuvent l'établir par leur approche statistique. Pourtant, dès 1910, d'autres généticiens la détiennent, cette preuve. Ceux qui observent l'apparition d'une petite mouche particulière, une drosophile aux yeux blancs, parmi des milliers de drosophiles aux yeux rouges. Comme l'a raconté Ernst Mayr, aucun d'entre eux ne songe alors à interpréter cette mouche mutante comme une manifestation des variations darwiniennes que la sélection naturelle pourrait fixer. Bien au contraire, pour les généticiens de la drosophile, la découverte des mutations est un coup porté à la théorie de la sélection naturelle qui, à leurs yeux, n'est plus nécessaire pour expliquer l'évolution. Il faudra attendre 1937 pour que la communauté scientifique dans son ensemble accepte le concept de gène support des caractères héréditaires et de leur variabilité et de l'évolution. J'en viens maintenant au rapprochement de la génétique et de la physiologie. En 1902, Archibald de Garrow découvre le caractère héréditaire d'une maladie, l'alcaptonurie, et met en évidence l'accumulation urinaire d'une substance particulière chez les patients. En 1908, Garrow propose comme explication de l'alcaptonurie l'atteinte d'un gène qui coderait pour une enzyme impliquée dans le catabolisme de la substance présente en excès dans l'urine. Ce premier énoncé d'un lien entre gène et phénotype fonde la génétique physiologique. Cette discipline a pour but de comprendre comment l'activité des gènes conduit à la réalisation d'un phénotype, c'est-à-dire à l'ensemble des caractéristiques ou traits observables des individus. L'intérêt que suscite alors l'hérédité humaine est manifeste bien au-delà de la communauté scientifique. Émile Zola emprunte à Jules Dejerine la description de la névrose héréditaire des Rougon-Macquart. Zola fonde l'interprétation de la transmission familiale de cette névrose sur la théorie émise en 1885 par Auguste Weismann, qui avait distingué cellules somatiques et germinales et attribué l'hérédité à ces dernières. Pourtant, la proposition de Garrow passera inaperçue. En 1945, Georges Biddle et Edward Tatum réintroduisent la génétique physiologique par une formule lapidaire, un gène, une enzyme, qui deviendra quelques années plus tard un gène, une protéine. Génétique et physiologie cellulaire sont dès lors bel et bien associées. Mais pendant près de 30 ans, ce rapprochement n'influencera à quelques exceptions près que les études portant sur les micro-organismes. La biologie adopte alors une démarche commune à de nombreuses disciplines scientifiques qui consiste à tenter de comprendre les propriétés des ensembles par l'analyse de leurs composants. Appliquée à l'étude de l'hérédité, cette stratégie conduira en 1953 à la découverte de la structure en double hélice de l'ADN par James Watson et Francis Crick, auquel j'associerai le nom de Rosalind Franklin. Puis seront mises en évidence la transcription de l'ADN en un ARN messager ainsi que la traduction de cet ARN messager. Le code de cette traduction sera décrypté. Enfin, François Jacob, Jacques Monod et André Lvoff découvriront qu'à côté des gènes dits de structure, tels ceux qui codent pour des enzymes, il existe d'autres gènes qui codent pour des régulateurs dont le rôle est de moduler la transcription des précédents.
J'appartiens à cette génération de lycéens qui se dirigèrent vers la biologie portés par l'enthousiasme que suscita cette découverte. L'élégance de la démonstration par l'approche génétique a joué un rôle déterminant dans mon orientation scientifique au cours de mes études médicales. Puis viendront les progrès techniques réalisés dans l'analyse de l'ADN, notamment la possibilité, à partir de 1977, de déterminer la séquence d'enchaînement des nucléotides qui le constituent et de modifier les génomes, ceux des bactéries dès 1972, ceux des plantes et de la souris à partir de 1981. Mesdames, Messieurs, le vaste chantier de la génétique humaine s'ouvre dans le sillage de ses développements techniques au début des années 1980. À l'époque, l'objectif est d'identifier les gènes dont les modifications sont à l'origine de maladies ou de handicaps. Depuis les années 1960, la démarche expérimentale pour identifier un gène dont l'atteinte est responsable d'une maladie débutait par la recherche d'une anomalie dans des protéines déjà connues. Puis on cherchait le gène codant pour la protéine anormale. Cette approche se heurtait à une série d'obstacles dont les principaux étaient la difficulté même de l'analyse biochimique, le petit nombre de protéines alors connues, l'inaccessibilité des tissus dans lesquels certains gènes s'expriment, et la nécessité d'une connaissance suffisante de la pathogénie pour pouvoir orienter la recherche vers certaines protéines plutôt que d'autres. En 1980, David Bostin comprend que la variabilité interindividuelle de l'ADN est une source de marqueurs polymorphes anonymes qui peut permettre d'établir une carte génétique des chromosomes humains comme Thomas Morgan avait établi celle des chromosomes de la drosophile en utilisant le polymorphisme phénotypique. Désormais, on procédera à une recherche directe des gènes à l'origine des maladies. Cette recherche s'appuie exclusivement sur la localisation chromosomique des gènes, et celle-ci est le plus souvent déterminée par la mise en évidence d'une liaison génétique entre le locus impliqué dans la maladie et certains marqueurs polymorphes dont la position sur les chromosomes est connue. Grâce à une mobilisation de la communauté scientifique et un effort international sans précédent en biologie, les innovations techniques requises pour élaborer des cartes physiques et génétiques des chromosomes humains vont se succéder très rapidement. Des chercheurs français auront un rôle pionnier. Jean Weissenbach dresse avec son équipe une carte génétique des chromosomes humains à haute résolution. Établir la séquence complète du génome humain, soit environ 3 milliards de nucléotides, paraissait en 1985 un objectif démesuré. Une quinzaine d'années suffira en fait pour y parvenir. Dans ses principes scientifiques, la génétique humaine n'a aucune spécificité. Cependant, des méthodes d'analyse statistique de la liaison génétique ont dû être développées pour permettre l'étude de familles et de populations de composition très diverses. Les maladies dites monogéniques sont celles qui résultent de l'anomalie d'un seul gène. Beaucoup sont rares, d'apparition précoce et réduisent fortement l'espérance de vie. La nouvelle démarche de recherche des gènes que j'évoquais tout à l'heure incitera à un travail de recensement de ces maladies dont le nombre passera de 3 000 en 1985 à 11 000 en l'an 2000. À l'inverse, les maladies polygéniques sont moins nombreuses mais plus fréquentes. On peut citer l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'asthme, les maladies auto-immunes, certaines maladies neurodégénératives ou encore la susceptibilité à certains cancers ou à certaines maladies infectieuses. La plupart des maladies polygéniques sont en réalité subordonnées aussi à un déterminisme environnemental
dont il est parfois difficile d'apprécier la participation à la variance de la maladie. Quel est aujourd'hui le bilan de ces recherches ? Les gènes en cause dans les maladies monogéniques, à la fois les plus sévères et les plus fréquentes, sont presque tous identifiés. Cependant, l'inventaire des gènes de maladie n'en est qu'à ses débuts, car pour plus des trois quarts des maladies monogéniques, les gènes impliqués sont encore inconnus. Pour les maladies multifactorielles, presque tout reste à faire. Avant de présenter quelques résultats de nos recherches, je voudrais rendre hommage à mes collaborateurs, à toutes celles et à tous ceux avec qui j'ai eu la chance de partager le plaisir qui s'attache à la découverte. Je leur suis reconnaissante de leur enthousiasme dans cette aventure collective et souhaite aussi dire à Jacqueline Levillier le bonheur de notre amitié. Nous nous sommes engagés, mes collègues et moi, dans la recherche des gènes dont l'anomalie est à l'origine d'une atteinte sensorielle et plus particulièrement d'une perte de l'acuité auditive. L'objectif que nous poursuivons est double. D'une part, comprendre la pathogénie de ces atteintes héréditaires à l'échelle cellulaire et moléculaire et d'autre part, élucider les mécanismes qui sous-tendent le développement et le fonctionnement normaux de l'organe récepteur du son, la cochlée. De nombreux physiciens et physiologistes, dont Georg Simon Ohm et Hermann von Helmholtz, il y a environ un siècle et demi, puis Georg von Bekesy dans les années 1960, sont parvenus à concevoir certains des principes de l'analyse spectrale de l'onde sonore par la cochlée. Cependant, cet organe sensoriel échappe à toute caractérisation moléculaire par les méthodes classiques en raison du petit nombre des cellules qu'il abrite. Quelques milliers de cellules sensorielles suffisent en effet à l'analyse d'une gamme de fréquences sonores qui, chez l'homme, s'étend de 20 à 20 000 Hz. Nous avons pensé que l'approche génétique qui n'est pas contrainte par le nombre de cellules devait permettre d'accéder aux bases moléculaires du développement et du fonctionnement de la cochlée. Toutefois, pour découvrir les gènes impliqués, il fallait pouvoir surmonter les difficultés particulières que rencontre l'analyse génétique de la surdité. Ces difficultés, pour l'essentiel, tenaient à la multiplicité des gènes impliqués, sans doute une centaine selon certaines études épidémiologiques, et au fait que l'on ne connaissait pas de critères cliniques susceptibles de distinguer ces différentes atteintes monogéniques les unes des autres. On pouvait par conséquent méconnaître les situations, en réalité fréquentes du fait des unions entre personnes malentendantes ou issues de malentendants, ou coexistent dans la même famille plusieurs gènes mutés. Il nous a semblé que l'identification de ces gènes serait grandement facilitée par l'étude de familles composées de nombreux membres et que l'isolement géographique devait avoir préservé de la ségrégation simultanée de mutations dans plusieurs gènes à l'origine de surdité. La collaboration avec des chercheurs et des médecins de Tunisie, du Liban, d'Iran, du Maroc, du Bahreïn, et avec des familles de ces pays concernées par ce déficit sensoriel, a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce projet. Je leur adresse à tous mes plus vifs remerciements. Par l'identification de certains gènes impliqués, nous avons pu répondre aux interrogations sur la contribution de l'hérédité à la surdité de l'enfant dans les pays développés. Alors qu'au milieu du XIXe siècle, les études avaient abouti à la conclusion que la surdité de l'enfant n'était pas héréditaire, nous savons aujourd'hui qu'elle l'est en fait dans plus de 80% des cas. La transmission le plus souvent récessive de la surdité congénitale explique l'erreur antérieure.
un démembrement du vaste ensemble nosologique que forment les surdités fondé sur la connaissance de ces gènes est en cours. Dans cette démarche, la compréhension de la pathogénie de chaque forme de surdité identifiée par l'analyse génétique constitue une étape essentielle. En effet, il arrive que la classification clinique antérieure n'en appelle aucune autre, car les différents gènes identifiés codent pour des protéines qui interagissent les unes avec les autres, formant une sorte d'unité fonctionnelle moléculaire. C'est le cas, par exemple, des formes génétiques du syndrome de Usher de type 1 qui associent à une surdité profonde une atteinte visuelle due à une rétinite pigmentaire. Nous avons pu montrer que les protéines codées par les différents gènes impliqués dans ce syndrome confèrent à la touffe ciliaire des cellules sensorielles auditives sa cohésion. La touffe ciliaire est la structure réceptrice du son. Elle est localisée à l'apex des cellules sensorielles. Vous la voyez ici, il s'agit d'une touffe ciliaire d'un crapaud. Elle est composée de microvillosités rigides, remarquablement organisées en rangées de taille croissante, comme des tuyaux d'orgue. Ici, la touffe ciliaire chez une souris normale. En haut, vous reconnaissez cette touffe ciliaire chez une souris normale. Et en bas, il s'agit d'une souris qui est porteuse d'une mutation dans l'un des gènes dont l'altération chez l'homme est à l'origine du syndrome de Usher. Vous voyez que les stéréocytes qui composent cette touffe ciliaire sont totalement désorganisés. D'ores et déjà, nous sommes parvenus à regrouper dans des réseaux moléculaires distincts plusieurs autres protéines codées par des gènes impliqués dans la surdité. Ces réseaux interviennent chacun dans un mécanisme que l'on peut définir, par exemple le trafic vésiculaire dans les cellules sensorielles ou encore l'ancrage d'une membrane acellulaire, la membrane tectoriale, à l'épithélium sous-jacent. L'anomalie d'un gène donné peut s'accompagner de manifestations cliniques variables. On observera par exemple tantôt un syndrome de Usher, tantôt un déficit auditif isolé, tantôt un déficit visuel isolé. Plus, une même mutation peut être à l'origine d'une baisse plus ou moins importante de l'acuité auditive. Considérons par exemple l'atteinte du gène qui code pour la connexine 26 dont nous avons montré qu'elle rencontre à elle seule de près de la moitié des cas de surdité congénitale autour du bassin méditerranéen. Une mutation particulière de ce gène est retrouvée dans la majorité des cas. À l'état homozygote, cette mutation est le plus souvent associée à une surdité sévère ou profonde, mais elle peut aussi ne provoquer qu'une surdité très légère. Nombre de situations semblables ont été rapportées pour d'autres handicaps ou maladies. À l'altération des gènes identifiés est donc associée une probabilité de l'effet et non un effet systématique. La diversité phénotypique pour une même mutation conduit à évoquer la participation d'autres gènes, la contribution de causes environnementales, voire d'événements stochastiques. Ainsi, la plupart des atteintes qui ont été initialement décrites comme monogéniques acquièrent progressivement une composante multigénique et même multifactorielle. Cette rectification traduit pour l'essentiel le biais méthodologique de presque toutes les approches de génétique humaine à leur début, qui doivent leur efficacité au fait qu'elles écartent de l'analyse toute situation complexe. Environ 1500 gènes humains impliqués dans les maladies sont aujourd'hui connus. Ils fournissent un grand nombre d'informations,
mais elles sont trop éparses pour être évoquées dans cette courte présentation. Je restreindrai donc mon propos à quelques aspects de cette recherche. La génétique nous livre l'image d'un génome façonné par la sélection qu'ont subi les populations humaines, un génome modelé en particulier par la lutte contre les infections et les famines qui jalonnent notre histoire évolutive. J'aimerais illustrer mon propos par quelques exemples. On sait depuis longtemps que la drépanocytose ou anémie falciforme est due à une mutation particulière de la chaîne bêta de l'hémoglobine et qu'elle s'est répandue dans les populations africaines et indiennes en raison de la résistance au paludisme qu'elle confère aux individus porteurs de la mutation à l'état hétérozygote. Deuxième exemple. Les travaux de Pierre Corvol sur l'hypertension artérielle ont montré qu'un variant allélique particulier du gène qui code pour l'angiotensinogène favorise la réabsorption de sel et l'élévation de la pression artérielle. Cet allèle est présent chez presque tous les Africains et pourrait avoir procuré un avantage sélectif à un moment où l'accès au sel était difficile. Le même variant a aujourd'hui un effet défavorable en raison de la surconsommation de sel dans nos pays. De même, il semble que l'apparition de l'obésité chez les personnes suralimentées repose sur l'activité de gènes jadis sélectionnés parce qu'ils permettaient de lutter contre la sous-alimentation en favorisant l'élaboration de tissus graisseux. Dans ce survol des avancées de la génétique humaine, il est impossible de ne pas évoquer le champ spécifique des maladies psychiques et de certains troubles du comportement. Dans ce domaine, les apports de la génétique auront sans doute une influence profonde sur l'étiologie et la nosographie. Que l'on considère un instant le fardeau de culpabilité dont était encore récemment chargée la constellation familiale et tout particulièrement la mère lorsqu'il était dit de son enfant qu'il était atteint d'autisme, un trouble dont on sait aujourd'hui qu'il est soumis à un déterminisme génétique, et l'on mesurera le changement en cours. Pour la schizophrénie, la maladie maniaco-dépressive, certains comportements anorexiques, d'addiction et d'autres encore, une susceptibilité d'origine génétique, dont la participation à la variance est certes moindre, a aussi été mise en évidence. Pour chaque maladie ou trouble du comportement, les facteurs de vulnérabilité génétique sont certainement nombreux et diversement associés. L'importance de leur contribution au phénotype est sans doute très diverse selon les personnes. Une définition clinique rigoureuse de chacune des composantes du phénotype étudié est nécessaire à la recherche des gènes et amorce souvent à elle seule un démembrement nosologique. L'implication des gènes dans le comportement se situe vraisemblablement à des niveaux très différents qui pourraient aller du développement du cerveau jusqu'aux représentations mentales élaborées en réponse à l'expérience. Il ne s'agit pas, dans un mouvement outrancier, aussi préjudiciable aux individus qu'à la science, de laisser croire que les comportements de l'homme se réduisent à ses gènes, mais bien d'inscrire la connaissance des facteurs génétiques des troubles du comportement dans une vision plus large de l'individu, qui inclut en particulier les dimensions sociales et culturelles et attribue une large part à l'affectivité de tout être singulier. Nombreuses sont les découvertes en génétique humaine qui ont déjà des applications médicales, en particulier dans le domaine du diagnostic. Mais le rythme soutenu d'accroissement des possibilités diagnostiques est aujourd'hui sans commune mesure avec les progrès beaucoup plus lents en matière de prévention et de traitement. Le fossé ainsi creusé peut faire le lit de pratiques qui menacent le respect et la liberté des individus. La réflexion sur ces questions est indissociable de nos travaux de recherche, mais ne peut s'accommoder d'une rapide évocation. Je rappellerai cependant que ces interrogations trouvent un triste écho dans l'histoire même de la génétique humaine,
Je veux parler des généticiens qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, prônèrent l'eugénisme afin, disaient-ils, de sauver l'humanité de la dégénérescence génétique qui la menaçait. Nous allons maintenant considérer la convergence de la physiologie cellulaire et de la génétique humaine. La valeur heuristique de la génétique humaine pour la physiologie cellulaire tient certes au lien causal qu'elle met en évidence entre anomalies géniques et phénotypiques, mais au-delà, elle réside surtout dans la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent ce lien. Certaines maladies héréditaires, en particulier plusieurs maladies neurodégénératives, sont dues à des mutations qui confèrent aux protéines correspondantes des propriétés nouvelles. Ces maladies ne sont pas directement éclairantes pour la physiologie. Les maladies qui sont dues à un défaut de synthèse de la protéine codée par le gène défectueux le sont davantage. Toutefois, l'absence d'une protéine conduit le système dans un nouvel état dont le retentissement fonctionnel peut certes être dû à une perte de l'activité intrinsèque de la protéine, mais peut aussi, dans certains cas, être lié aux propriétés alors acquises par le ou les complexes moléculaires dans lesquels s'insère normalement cette protéine. En particulier, la précipitation, la polymérisation, la dégradation d'un complexe moléculaire peut perturber considérablement le fonctionnement d'une cellule. Pour élucider le lien entre anomalie génique et phénotype, le recours à un modèle animal de la maladie est presque toujours nécessaire. Qu'il s'agisse de modèles obtenus chez la souris, le poisson zèbre, le nématode ou la drosophile, toutes espèces qui se prêtent aux modifications génomiques. La souris, parce qu'elle est la plus proche de l'homme, est particulièrement étudiée. Les mutants de souris permettent notamment d'analyser la séquence d'événements qui conduit au changement phénotypique. Au plan moléculaire, la compréhension du rôle de la protéine codée par le gène sera plus ou moins aisée selon la place qu'elle occupe par rapport à l'effecteur de la fonction considérée. D'une façon générale, les principes de fonctionnement des systèmes complexes ne pourront sans doute pas être totalement déduits d'études limitées à leur dysfonctionnement génétique. Escompterait-on de l'analyse des pannes d'une centrale d'énergie nucléaire la compréhension du principe de la fission du noyau atomique? Les succès de la génétique moléculaire durant la seconde moitié du XXe siècle ont progressivement laissé s'installer l'idée d'une information du vivant restreinte au seul gène. Pourtant, que l'on juge de l'effet biologique de certains stimuli physiques. La simple piqûre de l'ovule de Xénope déclenche son entrée dans le cycle cellulaire. Les battements des cils de la région organisatrice de l'embryon, dont la chiralité structurale conduit à un mouvement tournant orienté, déterminent la latéralisation des viscères, le cœur à gauche, le foie à droite, sans doute en distribuant un morphogène. Sans ces battements ciliaires, les viscères se répartissent de façon aléatoire d'un côté ou de l'autre. En fait, toutes les molécules du vivant, protéines, lipides, sucres, oxygène, dioxyde de carbone, monoxyde d'azote, ainsi que les ions, par leurs interactions, sont porteurs d'informations. Les protéines sont les plus diverses, leurs activités sont elles aussi variées. Transformation de métabolites, formation de structures, transport de certains composants ou d'organelles, propagation de signaux électriques. Les protéines captent et amplifient des signaux de nature différente, chimiques, mécaniques, électriques, thermiques ou photoniques. Ce traitement de l'information par les protéines passe par des changements de leur conformation qui conditionnent leurs interactions. En 1961, Jean-Pierre Changeux, François Jacob et Jacques Monod reconnaissent au sein d'une protéine particulière qu'ils qualifient d'allostérique l'existence d'un site régulateur distinct du site effecteur. Ils associent à la fixation du régulateur positif un état conformationnel activé du site effecteur et mettent ainsi en lumière un mécanisme essentiel de la régulation de l'activité des protéines. Enfin, en effet,
On sait maintenant que nombre d'enzymes, canaux ioniques, récepteurs d'hormones ou facteurs de transcription sont des protéines allostériques. En écho à la conception de Marcello Malpighi, qui au XVIIe siècle attribuait à une somme de petites machines la constitution et l'activité des organes, on découvre aujourd'hui aux protéines des propriétés très sophistiquées et inattendues. Ainsi, une protéine de la membrane de certaines cellules sensorielles auditives chez les mammifères est douée de propriétés piézoélectriques. Le changement de conformation de cette protéine sous l'effet des variations du potentiel membranaire engendre des cycles de contraction-décontraction des cellules sensorielles dont la fréquence peut atteindre plusieurs dizaines de milliers par seconde. De plus, conformément à l'hypothèse d'Ilia Prigogine, certaines protéines sont aussi capables de s'auto-organiser en des structures dynamiquement instables qui se maintiennent grâce à une dépense énergétique. Il en est ainsi des microtubules qui organisent l'espace cellulaire. Ils s'assemblent et se désassemblent continuellement et sont structurés en réseau par le mouvement de certaines protéines motrices qui les parcourent. Enfin, on sait maintenant que des protéines peuvent garder une trace chimique d'une activation antérieure. Une kinase, en s'autophosphorylant, maintient son état d'activité après la disparition des signaux activateurs. L'autophosphorylation de cette kinase participe d'ailleurs dans le cerveau au processus de mémorisation. À tout niveau de la cellule, se créent des structures fonctionnelles qui, en retour, modèlent les systèmes qui les ont façonnés. On pourrait appliquer à la matière vivante ce que Gaston Bachelard disait de la phénoménologie scientifique : elle s'instruit par ce qu'elle construit. Après cette incursion dans la diversité de l'information contenue dans le vivant, revenons à la relation entre génétique et physiologie cellulaire. La génétique humaine livre-t-elle quelques messages généraux sur l'activité cellulaire? J'en vois au moins deux. Le premier tient dans la constatation que pour la plupart des gènes, l'activité cellulaire paraît assez bien s'accommoder de l'inactivation d'un allèle, c'est-à-dire, pense-t-on, d'une baisse de la moitié de la concentration de la protéine correspondante. Le second message découle de l'observation suivante. Les manifestations phénotypiques liées à l'atteinte d'un gène sont le plus souvent restreintes à un ou quelques types cellulaires, même si le gène s'exprime dans beaucoup d'autres. Il y a 30 ans, on s'étonnait du pléiotropisme, c'est-à-dire de la manifestation phénotypique dans plusieurs tissus, de mutations dans des gènes qui étaient alors inconnus. Aujourd'hui, l'identification des gènes responsables de maladies et la caractérisation de leur profil d'expression tissulaire suscitent l'interrogation inverse. Comment interpréter, lorsqu'une protéine cesse d'être synthétisée, l'absence de traduction phénotypique dans la plupart des cellules qui normalement la produisent? De même, comment expliquer que dans de nombreux cas, l'inactivation d'un gène chez la souris ne s'accompagne pas de changement des SLAB du phénotype? Sans doute certains dysfonctionnements passent-ils inaperçus, car seules des contraintes particulières de l'environnement permettraient de les révéler. Mais cette explication ne rend sûrement pas compte à elle seule du phénomène. La séquence du génome humain peut-elle apporter quelque éclairage sur cette question? On remarquera tout d'abord que l'établissement de cette séquence a mis fin à l'idée qui prévalait auparavant de l'existence de 100 000 voire 150 000 gènes dans notre espèce. L'homme ne possède en effet que 30 à 35 000 gènes, soit environ deux fois plus que la mouche favorite des généticiens, la drosophile, ou que certaines éponges. L'analyse comparative des génomes a révélé l'existence de deux processus évolutifs antagonistes. L'un est la perte fonctionnelle de certains gènes, comme celle qui se traduit au cours de l'évolution des primates par la disparition de nombreux récepteurs des molécules odorantes. L'autre est la création de nouveaux gènes à partir de ceux qui existent déjà et relèvent du bricolage moléculaire qu'avait proposé François Jacob il y a 25 ans. Ainsi, l'existence d'une parenté entre des protéines codées par différents gènes pourrait être à l'origine d'une redondance fonctionnelle. De fait,
L'inactivation de certains gènes chez la souris en fournit des exemples. Mais au-delà de la simple substitution de la molécule manquante par une molécule proche, on est amené à s'interroger sur l'existence d'authentiques mécanismes de compensation traduisant des possibilités d'adaptation physiologique. La génétique devrait révéler certains de ces mécanismes d'adaptation. En effet, des gènes que l'on appelle modificateurs, en accord avec la proposition faite par John Haldane en 1941, modulent l'expression phénotypique d'autres gènes. La mise en évidence de ces gènes modificateurs chez la souris ne cesse de progresser, mais leur identification débute tout juste. L'existence de mécanismes de compensation de l'absence d'une protéine rejoint en réalité une interrogation plus générale sur la flexibilité ou la plasticité du fonctionnement cellulaire. Ces mécanismes de compensation doivent être envisagés à la lumière de la connaissance de la structure de la cellule, une connaissance actuellement en pleine transformation. L'inventaire des organelles et des compartiments membranaires de la cellule, qui débuta avec la découverte du noyau en 1831, paraissait achevé dans les années 1950. Or, depuis une dizaine d'années, l'analyse de la structure cellulaire connaît un nouvel essor grâce à l'analyse moléculaire principalement. Aux zones de contact que les cellules établissent avec leurs voisines, contact dont le nombre peut atteindre plus de 100 000 au niveau de l'arbre dendritique de certains neurones, l'analyse moléculaire a ajouté la notion de microdomaine membranaire. Ces microdomaines sont tantôt édifiés à partir de protéines modulaires sous-membranaires, tantôt caractérisés par une composition lipidique particulière et un état de fluidité limité. Les complexes moléculaires qui leur sont associés forment de petites unités fonctionnelles qui traitent les signaux extracellulaires. On ignore encore l'étendue et la diversité de la mosaïque membranaire formée par les microdomaines. Le noyau cellulaire apparaît lui aussi plus hétérogène. Auparavant, on ne distinguait au sein du noyau que le nucléole. Le reste, pensait-on, formait un ensemble fluide. Aujourd'hui, le nucléole peut être subdivisé en trois régions de structure et de fonctions distinctes, et dans le reste du noyau, des compartiments sont également décelés. Enfin, au niveau du cytoplasme, on découvre ça et là des structures tubulaires fugaces. L'activité cellulaire se déploie donc au sein d'une hétérogénéité spatiale auparavant insoupçonnée et dont on a, je pense, encore incomplètement pris la mesure. En parallèle, il apparaît de plus en plus nettement que les fonctions cellulaires sont régulées par le mouvement des molécules entre les différents compartiments et sous-compartiments. Prenons l'exemple des facteurs de transcription. À l'exception des récepteurs des molécules liposolubles, en particulier des récepteurs de certaines hormones, les facteurs de transcription ont tout d'abord été considérés comme nucléaires. Puis on s'est aperçu, en 1988, que l'un d'eux, NF-kappa-B, avait une localisation cytoplasmique et que son activité était régulée par le contrôle de sa migration vers le noyau. Aujourd'hui, on observe que plusieurs autres facteurs de transcription sont en réalité soumis à un mouvement de va-et-vient permanent entre noyaux et cytoplasme. Au gré de leurs interactions avec des molécules régulatrices, ces facteurs de transcription passent les pores nucléaires dans un sens ou dans l'autre. À ces aspects dynamiques s'ajoute l'existence d'une versatilité fonctionnelle de certaines protéines qui ont plusieurs localisations dans l'espace cellulaire. Cette notion de versatilité fonctionnelle repose sur des données pour la plupart très récentes. Par exemple, les récepteurs des molécules odorantes ne sont pas simplement présents à l'extrémité des dendrites des neurones sensoriels olfactifs dans la cavité nasale où ils fixent les molécules odorantes. Durant l'embryogenèse, ils sont présents à l'autre extrémité de ces neurones où ils participent au guidage de l'axone vers une zone particulière du bulbe olfactif. Autre exemple,
Depuis 1989, on sait que la bêta-caténine est une protéine cytoplasmique qui siège aux onctions intercellulaires, participant ainsi à la cohésion des tissus. En 1995, il a été montré que la bêta-caténine est également un élément des complexes moléculaires de la transcription dans le noyau. De même, une autre protéine vient d'être décrite qui se lie à une intégrine impliquée dans l'adhérence de la cellule à un substrat et agit aussi comme un coactivateur transcriptionnel dans le noyau. Ces molécules sont-elles des messagères chargées d'informer en permanence un compartiment de l'état de l'autre et de coordonner réponses transcriptionnelles et adhérence cellulaire? La question est ouverte. Dernier exemple, à la transcription et à l'épissage étaient associées des molécules régulatrices différentes, toutes de localisation nucléaire, et à la traduction, des protéines de localisation cytoplasmique. Au cours des dernières années, on a découvert plusieurs molécules qui régulent à la fois la transcription et la traduction, d'autres contrôlent à la fois l'épissage et la traduction et accompagneraient l'ARN messager à travers les pores nucléaires. La découverte de ces mouvements moléculaires et de la versatilité fonctionnelle des protéines bouleverse notre conception du fonctionnement de la cellule. Des travaux sur les neurones viennent par exemple de révéler trois nouveaux modes de contrôle de l'activité synaptique, endocytose et exocytose de certains récepteurs de neurotransmetteurs, les mouvements latéraux de ces récepteurs entre les régions synaptiques et justasynaptiques, et enfin la redistribution de la bêta-caténine qui quitte le tronc dendritique pour se loger dans les épines dendritiques où elle augmente la taille de la synapse. On peut voir dans l'accroissement de la complexité spatiale des cellules un moyen efficace pour accroître la complexité fonctionnelle avec seulement une élévation modérée du nombre de gènes. Reste à comprendre comment s'est construite cette hétérogénéité spatiale au cours de l'évolution. Quoi qu'il en soit, l'analyse dynamique des mouvements moléculaires apparaît bien comme le niveau de résolution nécessaire pour progresser dans la compréhension du lien entre génotype et phénotype cellulaire. Ces aspects dynamiques pourraient aussi intervenir dans certains des mécanismes de compensation que j'évoquais précédemment. L'activité cellulaire n'est cependant pas une somme composite d'activités élémentaires plus ou moins dispersées. La cellule est douée d'autonomie, sa caractéristique essentielle est d'allier unité structurale et fonctionnelle. Comprendre le fonctionnement cellulaire, c'est aussi comprendre comment la cellule intègre un ensemble de forces et d'informations d'autre nature. Souvenons-nous aussi qu'un certain nombre de phénomènes physiologiques sont de nature périodique, qu'il s'agisse du rythme cardiaque avec sa périodicité de l'ordre de la seconde, du cycle menstruel ou encore de la décharge pulsatile toutes les heures environ de certaines hormones hypothalamiques telles la gonadolibérine. Le cycle circadien, dont la périodicité est d'environ 24 heures, gouverne l'alternance des activités diurnes et nocturnes chez les animaux, les plantes, mais aussi chez certaines bactéries. Chez les mammifères, il existe une horloge circadienne centrale dont le fonctionnement repose sur l'activité électrique oscillante et synchronisée d'environ 20 000 neurones situés dans l'hypothalamus. Mais une grande variété de cellules, voire chaque cellule du corps, comporte également sa propre horloge circadienne. En fait, un nombre croissant d'observations viennent étayer l'idée que les rythmes représentent un principe organisateur de l'activité cellulaire. Les rythmes impriment aussi leur marque au développement embryonnaire. Un exemple, les somites sont des structures métamériques transitoires dont Nicole Ledouarin a démontré qu'elles sont à l'origine de la mise en place du squelette axial de l'embryon. On sait depuis peu que l'expression cyclique de certains gènes conditionne le devenir des cellules précurseurs des cellules somitiques. Autre mouvement périodique, celui des vagues calciques qui parcourent la cellule en réponse à certaines stimulations
par des hormones ou des neurotransmetteurs. On découvre que des protéines peuvent lire ce signal périodique. Certaines kinases et certains facteurs de transcription sont préférentiellement activés par des signaux calciques de fréquence particulière. La période de ces oscillations calciques pourrait constituer un paramètre essentiel de la vie cellulaire. Depuis une quinzaine d'années, quelques biologistes théoriciens analysent et modélisent la genèse des mouvements périodiques biologiques. Or, cette modélisation se révèle aujourd'hui essentielle pour comprendre des phénomènes cycliques comme le fonctionnement de l'horloge circadienne centrale. Certes, par l'étude des animaux mutants, les composants de cette horloge peuvent être identifiés et certaines de leurs propriétés déduites. Mais sans un traitement mathématique des données, comment savoir si ces composants, à eux seuls, et avec l'ensemble des caractéristiques qu'on leur a attribuées, forment bien une horloge qui aurait la périodicité attendue. L'analyse dynamique des mouvements et des interactions moléculaires in vivo que j'évoquais tout à l'heure ne sera elle aussi possible qu'en faisant appel à un certain formalisme mathématique. Tôt ou tard, la modélisation prenant en compte la variable temps sera nécessaire pour intégrer les connaissances acquises sur le fonctionnement cellulaire. Mesdames, Messieurs, il est temps de conclure et je conclurai avec le temps, ce temps inhérent à tous les aspects de la vie, de l'organisme et de la cellule, ce temps qui contrôle quantité d'activités élémentaires par le mouvement passif ou actif des molécules à travers les espaces cellulaires. Nous avons vu la rythmicité circadienne intrinsèque des horloges qui orchestrent le fonctionnement cellulaire et nous rattachent au temps cosmique. Nous savons maintenant que l'organisme se construit en mesurant le temps dès les premiers stades de son développement. Entre génétique et physiologie, le temps se dessine donc comme une variable active incontournable pour progresser dans la compréhension du lien entre gènes et phénotypes à l'échelle cellulaire. Déceler et caractériser les oscillations de l'expression des gènes et des protéines, les oscillations mécaniques des complexes protéiques et sans doute aussi des structures subcellulaires, comprendre le rôle des oscillateurs et leur couplage intra- et intercellulaire, tels sont quelques-uns des défis que nous devons relever si nous voulons percer les mystères de l'harmonie du vivant, de ses consonances, mais aussi parfois de ses dissonances. Le temps, c'est aussi celui de notre humanité, un temps que nous pouvons charger de sens. Libérer l'homme des préjugés et fausses certitudes dont certains usent pour l'asservir, tel est un des objectifs de la connaissance scientifique, une connaissance qui s'édifie certes sur des acquis, mais qui se transforme aussi par la résolution des contradictions qu'elle a pu créer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.